Bonjour les Minecraftiens, ici c'est B35 en compagnie du Seigneur du Temps, de Spiritus Wolfis et de Mr. Phalax. Yeah, il est revenu. Oui, c'est mon épée usagée par contre, Phalax. Ouais, je vois ça, c'est des vieux trucs qui traînaient au fond de la poubelle. Ah, par contre, le plastron et toute l'armure, elle est neuve. Je me tronçonne le crâne si j'essaye de m'en servir, mais bon. Bien. Donc nous voici sur MVO4, pour rappel Mr. Phalax, on doit survivre, nous mettre full diams, faire le nether et manger des cookies comme dans le Minecraft de base. Mais aussi explorer beaucoup parce que cette map fait du 6000 par 6000, c'est pas rien. Et surtout trouver les 8 donjons, je connais les coordonnées pour me simplifier la vie, essayer de les faire. Si au bout de 20 minutes on n'a pas trouvé la clé qui se trouve dans l'un des coffres, bah on l'obtient automatiquement parce que quand même c'est mieux. Le keep inventory sera activé mais uniquement pour les donjons. Important. Ok. On fait tous la maison sur l'arbre. Ici, tu peux voir celle de Spiritus Wolfis. Si on regarde bien, on voit la mienne un petit peu plus haut et plus petite là-bas. Carrément plus petite en fait. La mienne, elle y est pas encore. J'ai préféré. Là, là, c'est celle de Spiritus Wolf qui est un petit peu abusée. Mais en tout cas, on ne peut pas manquer de bois parce que déjà les arbres sont immenses. Celui-là est déjà absolument énorme. Mais bon, les autres ne sont pas non plus de petite taille. Si on va plus loin par là-bas, on peut avoir d'autres biomes. Mais et c'est absolument dingue. Moi j'aimerais bien réussir à... Interdiction de tronçonner dans l'arbre pour choper du bois quand même. Oh. Et quand on tronçonne... En même temps il est déjà même... creux. Oh. Et même quand on tronçonne construire sa maison, on fait hyper gaffe parce que elle tronçonne bien. Ouais, très bien. Genre tu fais un clic, ça enlève toute une ligne. Ouais, c'est comme si t'étais en créa en fait, sauf que tu récupères le bois. Ouais, d'accord. C'est même plus rapide que le créa. Les outils peuvent être plus rapides que le créatif, hein. Ça, je te l'assure. J'ai fait tomber des bûches en bas. Bon, arrête. Après, me donnez pas trop envie d'essayer la hache. Hein. Bah, y a des arbres pas loin. Y a des arbres plus loin, si tu veux. Ouais, bah, je vais commencer par faire un tour. J'ai récupéré des bûches. Un tour dans les branches. D'ailleurs, si tu fais un tour dans les branches, tu verras peut-être ma base. Du moins, mon début de base. Qui est juste des gosses. T'as déjà commencé ? Oui, je fais une autre base à l'extérieur du truc. Hop. Putain, Joff, l'homme te fait 5000 bases. Moi, je me fais une mini. Je vais faire un mini hub qui sera commun à toute la MC4. Le hub géant de la MC4 team. What? Purée, ça me perturbe l'effet de vitesse. J'arrive pas à monter les escaliers avec. L'effet de vitesse est donné automatiquement. Personnellement, là, je suis en train de couper du bois en sneak et en avançant ultra précautionneusement. Youpi, je suis le seul à pas être mort. Oui. T'as un modestie, toi aussi, t'es un Joff. Slash kill, t'es un Joff. Ça ne comptera pas si c'est fait ça. Pour nous aussi. Dans notre cœur, parce que moi aussi, je peux vous kill, vous. Ah, et d'ailleurs, je prends les 10 émeraudes et on va filmer ça, je vais me crafter un briquet. Hein? Hop, je sais ce que je vais faire, en fait. Je vous appelle quand vous pouvez venir. Ouais. J'ai une idée. Hop. Je suis en train de construire une salle, moi, perso. Une petite salle pépère. Hop, voilà. Ah, on a une enclume, au passage. Oh, cool. Bien. Ah, bien. Je savais même pas ça. Je suis en train de monter. Non, je suis en train de la crafter, en fait. Petit poil de bruit autour, mais c'est pas très grave. Alors, donc, voilà, ça c'est fait. À quoi elle va servir? J'en sais rien. Voilà. Donc 3 blocs de fer. Voilà. Et une enclume. Que je mets dans un coffre parce qu'elle nous sert pas en grand chose encore. Hop. Enfin, autant la poser quoi. C'est... Non, je la mets dans un coffre en attendant parce que je vais probablement la déplacer. Mais D'ailleurs, Phalax, ça je te le dis aussi, on a une ou en diamant. Ouais. Voilà. Ou en diamant. On a pété un câble. Hein. Crafté oui. Par Donovan. Et c'est moi qui ai un peu donné l'idée. Là, ou en diamant. Non, il l'avait pas fait exprès, si je me souviens bien. Si. La définition du gâchis. Si, il l'avait fait exprès. Hein. Ouais, là c'était utile. Parce que c'était stylé, c'est là où. Comment on l'a appelé? Là où béni. Là où béni, voilà. Non, la sainte où, voilà. La sainte où, sainte où, voilà. La sainte Vénérée, la sainte où. Et je l'ai déjà utilisé, hein. Pour la terre. Sacrilège. Ah, j'arrive. Hop. Désolé. Je fais n'importe quoi. J'imagine que j'ai réussi CLB. Autour, peut-être, mais bon. Et c'est marrant de faire pousser du blé. Je vois une tête de CLB sur la porte. Oui, ça c'est. Sur notre maison, ce sera comme ça. Voilà, faudra mettre nos têtes dessus.
Je vois. Bon, c'est pas une maison de la mort qui tue. Bah, c'est juste une cabane, mais bon, je l'aménagerai dès que je le pourrai. Enfin, concrètement, je peux dès maintenant, mais je sais pas trop quoi mettre dedans, en fait. Je suis un peu sous stuff, à part mon full fer, j'ai absolument rien. Bah, moi non plus. À part la poudre de creeper de Spirit Wolf. Que j'ai toujours. Quoi? J'ai une pioche en fer à moitié usagée, une tronçonneuse de la mort, des os, de la nourriture, des flèches, un œuf que je balance par terre, de la cobble un peu, des cerveaux de zombies, une table de craft, une hache en pierre, pioche en pierre, parce que ce serait un peu con de crafter une hache dans MVO4 quand même. Cette série est placée sous le signe du bois, on dirait. Oui. Bah t'as vu mon spawn ou quoi? Oui, c'est la série du bois. Mais ne serait-ce que le Nether, ça. Quoi. Faudrait bien qu'on le fasse, un de ces quatre. Oui, oui. Bah, écoute, on attend le signal de Tinjoff, hein. C'est lui. Pour faire quoi? Tinjoff, bah, pour le portail du Nether. Ah, pour le portail du Nether, vous l'avez trouvé? Ils sont où, les autres lingots de fer? Il me semble. Ouais. Ah oui, si, je sais où il est, Je sais où il est, moi. Ah, tiens. Si vous j'arrive chez Spiritus. Je vais faire le briquet, là-bas, en rapport pour les sacrifices et tout ça. Pour les émeraudes et tout ça, là, je vais faire le briquet. Oui, d'ailleurs. Parce que vu qu'on n'arrive absolument pas à trouver de la canne à sucre la plus proche, elle doit être à 1000 blocs d'ici. elle est sur le continent, on est sur une petite île, là, une île de 800 émeraudes. Blocs de alors, c'est encore très vide, hein, Fanax, il faudra que je meuble ça un jour. 800 blocs de diamètre, je veux dire. Ouais. Reste plus qu'à meubler. 10 émeraudes sur le continent, on va pouvoir en avoir. C'est sympa. J'ai 10 émeraudes sur le continent. Si t'as une grande baie vitrée pour voir au loin, là, la nuit, tu vois la lune, et là, le jour, tu vois un peu de soleil. Bien. Bon, alors, je dis juste un truc, du coup, je vais pouvoir en avoir deux. Ouais, il va falloir que tu farmes un peu. J'ai 10 émeraudes. C'est 5 émeraudes de la canne. 5 émeraudes de la canne, donc c'est lui qui fixe les tarifs et c'est pas à son avantage, MDR. Alors. Donc, on a toutes les clés ici, d'ailleurs, j'ai fait une faute de frappe sur l'une d'entre elles, mais bon, on n'a pas le droit de renommer les clés parce que sinon ça ferait déconner le système. Bah oui, j'ai fait un trieur item pour savoir si c'est la bonne clé qu'on drop, sinon c'est facile. Alors donc du coup, vous êtes où? J'ai le briquet. On est encore sur l'arbre, nous. Mmh. On descend. Ben moi, je vais devant l'arbre, je vais le faire ce truc. Hop. Bon, pour l'instant, quand on aura beaucoup de ressources précieuses, comme notamment une centaine d'émeraudes, je commencerai à le décorer avec des blocs d'émeraudes. Ce truc, la petite construction que je vais faire. Tim Tinjoff. Ça. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, tous les émeraudes sacrifiés. Ça me servira de la canne. Aïe. Purée, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends tellement de dégâts. De l'escalier. Wow. Donc, en fait, je suis aussi le seul à pas avoir osé monter dans l'arbre pour faire ma base. Hein. J'ai envie de dire. Oui, parce que nous, on a des boules. Non, vous êtes juste suicidaire. Ouais, bah, la différence. Tu dois prendre trop de dégâts de chute par jour. Ah bah faut savoir comment s'y prendre, c'est tout. Faut connaître le chemin. Hop. Bah oui, une fois qu'on sait faire, y a pas de soucis. Donc du coup. Pourtant t'as failli tomber quand même. Safanax, Nether. Oui. Here we go. Attends. J'ai vu. Il est pas encore allumé. CLB. Ouais. CLB, viens voir. Par le /TP de la magie ou. Non, c'est juste devant là. Oh. Je me suis pas compliqué la vie, j'ai fait un truc hyper simple pour une fois. Oui, la notification Windows 8 c'est chez moi. Bref, donc. J'espère que vous avez pas tous regardé quand même. Bah, je sais pas s'il y a beaucoup de nos abonnés à utiliser Windows 8, bref. Alors donc, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes, Périché? Oh. Rien du tout. Qu'est-ce que tu nous proposes, Tinjoff? Bon. Bientôt, il y aura une Netherrack en dessous, donc le feu restera. Ah, en fait, vu que tu as l'air d'être un survivant de l'enfer, un truc. Si jamais tu si jamais tu venais à mourir dans la série, est-ce que tu accepterais de changer de skin? Non. Il a mis 3 mois. Boulot. Il a mis 3 mois à faire son skin. Bref. Du coup, hop. Et regarde, je vais lancer. Tu vas lancer les émeraudes, CLB. Bah j'ai pas d'émeraudes. Bah attends, je vais te les passer. Éteignant les flammes. Oui, justement, j'allais te les passer, mais j'éteins les flammes plutôt. Ah, c'est moi ça. Waouh. Si je commence la série comme ça, je vais mourir vite, hein. Plein d'in. Bon, on commence la série, on est déjà à l'épisode 5, hein, mine de rien, alors que le premier n'est même pas publié. Jette-les et dès que tu les as tous jetés, je me give la sugar cane. Ok.
Par le pouvoir de du mythique slash give du notch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Révisez vos chiffres avec ces LB. Bah moi, à chaque fois que je dis des chiffres de 1 à 12, là c'est de 1 à 10, mais bon. À chaque fois, je vois chacun des docteurs dans ma tête. Ok. Je connais pas le nom de tous les acteurs et je vois tous leurs visages. Attends. Le nom de l'idée, c'est bien Sugar Cane, le nom du truc. Ouais, je crois. Parce qu'il veut logiquement. Pas. Logiquement. Hein. Ou au pire, tu te mets en cra et tu le pioches dans ton inventaire de créatif. Merci. Vas-y. Je vais le faire moi-même, bande d'incompétents. Hey, j'ai pas réussi à trouver le truc. Même avec Tab, il voulait pas. Même le Tab, c'est un fourbe. Je me demande si c'est pas un bambou. Ouais, que je me refasse ouais. Je me refasse une pioche n'importe quoi. Non mais canne à sucre, je sais pas, c'est sugar cane quoi. Sugar cane, pour une fois que je sais quelque chose en anglais. Bambou. D'ailleurs tu l'as ajouté Ritz. À la ah non hey, t'as oublié tes bottes Phalanx. Voilà, oui non en fait elles sont tombées de l'arbre je crois et je les ai pas retrouvées. Ah MDR, je vais t'en refaire. L'aspect mystique de l'hôtel sacré, tout ça. voilà. Oh bah il y aura mieux quand on aura plus de ressources. Pour l'instant, ouais, c'est un hôtel sacré en cobble quoi. Pour l'hôtel sacré des noobs. L'hôtel sacré des noobs. Mehdi, j'ai les deux cannes à sucre, ça suffit pas pour faire du papier. Ah oui, mais on va les planter à ma base. Hein? Oui, on va les planter. Il va falloir attendre un peu. J'ai de l'eau. J'ai de l'eau et moi j'ai du sable. Moi j'ai du sable. Bah d'ailleurs, emmène-moi le sable. La terre fonctionne. La terre fonctionne, bonjour. Oui, mais on va utiliser du sable, c'est plus joli. Hop, bon, en haut. Même si ça ne fait absolument aucun sens, du sable dans une montagne ça, c'est comme la base ça, de, ça, c'est la base temporaire de... peut-être temporaire. Non, ça va être la base définitive, mais je vais l'améliorer. Ouais. C'est bon, j'ai pile ah, de terre, j'avais... Ils sont pile de notre terre. Gueule. De quoi? On n'a pas de stuff, mec. Comment ça? Quoi? J'ai jamais dit qu'on en avait pas, j'ai dit que j'avais tout. Bah oui. Mais oui, mais on n'a pas de stuff nous. Ce serait bien de partager un petit peu, espèce de connard. Ah mais notamment à manger. J'ai la moitié de ma vie et la moitié. Mais de la c'est le seul qui survit à peu près, donc autant que ce soit lui qui est la ressource. Moi j'ai, c'est justement parce qu'il y a la ressource qu'il est seul à survivre à peu près. Phanax, moi j'ai de la bouffe. Et Moi j'ai de la bouffe. Moi aussi j'ai de la bouffe. Là je viens d'en faire cuire, donc hop, j'en refais cuire d'ailleurs. Et il a piqué Jean-Paul, le connard. Ah non, non, ah non, ah non, Jean-Paul c'est moi. Ah non, Jean-Paul, il est à moi. Jean-Paul. Jean-Paul. Qui est Jean-Paul? Si tu me le laisses, je le prononcerai correctement son nom. Ok, ok. Ou bien alors tu laisses le prononcer avec un accent, parce que toi, ton accent, il est pourri. Ouais. C'est qui Jean-Paul? Jean-Paul. C'est le cheval qu'on avait au début de la série. On avait prévu de le mettre avant le début de la série pour explorer. Il s'était barré. Du coup, on a base, ouais, en plus, à la base, les chevaux qui s'appellent Jean-Paul, ce sont mes chevaux. Ouf, Il y en a tellement autour. S'il le faut, tu te gives une selle. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est pas un item qu'on peut récupérer. Bon, En plus, je sais même pas si c'est des structures naturelles dignes de ce nom ici. Structure naturelle, ça m'étonnerait. Le casse ah. Oh, mais... Salopio, reviens ici. Pas très hardy player, nananer. J'ai quand même OP. Plus vite. Et je vais essayer de rejoindre la maison avant de me faire buter. Et moi, je suis le seul pour l'instant à survivre. En plus, moi, certes, j'ai toutes les ressources, mais si vous avez remarqué, ma maison n'a aucun mur. Hein. Pour l'instant, donc... Ouais, mais t'as toutes les ressources de quoi bien survivre, même sans mur, donc voilà. Ouais, j'ai failli me faire tuer à plus d'une fois, hein. Oui, mais j'ai encore envie... Oh, j'ai un arc. Oh, c'est gentil, ça. Oh, chanceux. Un arc complètement pété, avec 8 flèches. Bah, quoique, moi, si je tombe sur une araignée, cette nuit, tout ira bien. Bah, moi aussi, c'est tout ce qu'il me faut, c'est former les araignées. Vu les reliefs, il y a quasiment pas d'araignées. Bah, moi, il m'en manque plus qu'une ficelle, et puis ce sera... De deux blocs parfaitement larges. En fait, en gros... Les araignées, je pense qu'elles ne pourraient spawner que sur une surface dans ce style-là. Donc du coup, c'est vrai que c'est surtout dans les grottes qu'elles vont spawner. C'est pas grave, j'y suis. Tiens, tes bottes, Phanax. Ah, faudrait que j'arrête de les paumer. J'ai peut-être dit de la merde, mais... Merci. Voilà.
Ça, c'est la tronçonneuse Google Images des familles. De la rotten flèche. Jusqu'à maintenant, je... pour l'instant. Tiens, je te mets du sable dans ton, dans un des coffres, dans le coffre du bas. Du sable. Ok, bah de toute façon, j'ai planté la canne à sucre déjà. Bah. J'avais oublié à quel point Minecraft c'était cubique. Le jour où tu me diras que Minecraft n'est pas cubique, on a un problème. Ouais. Minecraft 2. Ce Minecraft est entièrement circulaire. Microsoft présente Minecraft 2 avec des boules. Non. Mais uniquement. Vous êtes vous-même une sphère. Vous êtes vous-même une sphère. Qui vous coincez des Mais Minecraft 2 existe déjà en fait. Ça s'appelle Agario en fait. Tu fais de la rotten flesh. Ouais, ça c'est le mode PVP du Minecraft 2. Youhou, je me casse, salut les minables. Oh non. Reviens. Jean-Paul. Il a volé Jean-Paul. Pardon, il a volé Jean-Paul. Jean-Paul. Rends-nous Jean-Paul. Bon, et si on allait au portail du Nether? Alors tiens Fanax, vu que t'es arrivé. Allez, ok, on y va, mais à vitesse agrandie quand même. YOLO. Ouais, manger. Voilà, ce cheval n'est absolument pas rapide. C'est moi qui ai récupéré. Et c'est pour ça, ramène-le chez à son enclos. Bah, de fortune. Si tu t'en veux plus, j'ai aussi d'autres bouffes. J'ai 6 côtelettes de mouton. J'ai pris une flèche. Mon cheval a pris une flèche. Je survive pour l'instant. Mais non, mais ramène-le. Tue pas le cheval. Mais c'est bon, il est ramené, bande de FDP. C'est pas le con, c'est elle-même. Mais pas le con. J'ai même pas d'épée à cause de ton meurs pas, Jean-Paul. Tu peux le temps de te connaître. Mais tu me le demandes, une épée. Je te demande. Mais tu n'es pas le trésorier. Mais oui, mais moi je suis pas le devin qui sait qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez dans votre inventaire. Moi je sais pas ce que vous avez comme stuff. Hein. Et moi je me bats à tronçonneuse depuis le début. Moi j'ai pas un plein perso. Hop, bah je te fais une épée en fer. Hop, puis voilà, t'arrêtes de chercher. Tu pourrais me faire une épée en diam, sérieux, vu le nombre de diams que t'as, c'est un peu radin. Hein. Non, les diams, même moi je les utilise pas pour moi pour l'instant donc. Ouais, on attend d'avoir là, un stock un peu plus complet. Aïe. Quand on aura plus de diams que faire. Le diams, vraiment, là je les économise. Le fer, on en a une sacrée quantité, donc je me permets. Oh tiens, contre, l'ancêtre des petits cochons. Non, l'ancêtre, le descendant. Franchement, ah, si vous avez des œufs de poule, si vous avez des œufs de poule, filez-les. L'avantage de se battre à la tronçonneuse. Ah si, je viens d'en avoir un. Massacre à la tronçonneuse. Parce que du coup, il m'en faut une deuxième poule et après, je pourrais farmer les poulets. Je viens d'en récupérer un, si tu veux. Oh tiens, c'est le chat sur Bab, MDR. Hop, j'ai une épée en fer pour toi, CLB. Disparaître, voilà. CLB disparaît dans un nuage de fumée. Au revoir, désolé. Big up à la communauté de Bric-à-Brac qui ne regardera jamais cette vidéo. Bonjour. Bon, j'ai une épée en fer pour. Pourquoi t'as. Ah oui, toi t'as pas de stuff fer, Spirit Wolf. Aïe. Tu commences à prendre des dégâts de chute avec juste un cheval. Juste avec un cheval, tu prends des dégâts de chute. J'ai un CLB. Et mais regarde, regarde. Eh, regardez, regarde, Spirit. Non, le creeper, le creeper. Mais en fait, moi j'avais enlevé mon stuff pour faire une screenshot. Voilà, je me suis pris un cœur de dégâts de chute en sautant avec le cheval et en sortant du cheval. Bravo, félicitations. Hop. Alors attends, je vais essayer en espérant. CLB. Hop, mais. Oh, mais le poulet il veut pas. Les œufs ils veulent pas. Hein. J'ai un poulet, mais il veut pas de deuxième. Alors c'est LBTO que je te passe ton épée. Oui, seigneur du temps. Alors là, j'ai un doute. J'ai une épée qui a une utilisation ou deux. Ah non, une utilisation contre une épée neuve. Bon. Mais quel bâtard. Tu t'en doutais, je pense. C'est quand même plus gentil. Elle a qu'une utilisation, donc c'est bon, ça va encore. C'est pas non comme si elle était si à elle 90. Une utilisation restante. Hein. Ouais. Là, ce sera un petit peu. Bon, j'ai le briquet. Hop. Direction le Nether. Ce que j'aurais fait s'il y avait eu du frayant ni failleur, j'aurais plaqué la dernière utilisation sur ta tronche et je t'aurais demandé gentiment mais fermement d'en crafter une autre. Et moi je t'aurais buté instant pour rien avoir gaspillé une sur ma tronche. J'aurais pu au moins l'utiliser sur un mob quoi. Ouais, ça l'aurait pas tué mais bon. Quoique avec un coup critique. En vrai. Bah faudra qu'il soit un petit peu usagé à l'arc déjà, un petit truc comme ça. Enfin, un coup d'épée en fer ça tue rarement. Bon, les poulets vous les laissez complètement en vie. Vous faites gaffe à au moins laisser 2 ou 3 vaches par zone aussi. Les cochons, on s'en fout, vous pouvez les trucider tous. Les cochons, Et les moutons. Et les moutes-moutes.
Et les moutmout, vous pouvez les garder les aussi un peu près en vie parce que ça peut être hyper utile d'avoir des laines. Ok. Non, moi je voulais avoir un paquet de laine pour mettre des tapis. C'est pas sur Shadow. Bon, t'as laissé Jean-Paul chez lui, hein. Oui. Oui. Bon, là okay. Je suis à la base, je vous attends. Allez, on y va. Let's go in the Nether. Je mangerai une fois devant le portail. Vous avez des blocs de bois pour baliser, MDR? J'ai 8 bûches et quelques planches, donc ça devrait aller. Moi, j'ai largement si on cotise tous, ça devrait aller. J'ai 3 stacks de bûches, MDR. Non, je vais prendre une bûche. Je vais prendre de la cobble, surtout. Ouais, mais je crois qu'il y en a dans le coffre. La cobble, c'est une denrée rare, mec. La cobble, c'est une denrée. Il y en a dans le coffre. Non, c'est pas comme s'il y en a tout autour de nous. Oui. Non, à peine. Mais il y a du bois, il y en a encore tout autour de nous. Regarde-moi ça. Non, regarde. Dans la réalité, cette maison ne serait pas possible parce que ça, c'est des torches, ça, c'est du bois juste au-dessus. Voilà quoi. Avec mon pack, quoique les torches, elles paraissent avoir une fermée. Comme les lampes à huile. Oui, 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 bah c'est normal, c'est steampunk. Donc ça va. Avec notre pack, moi, je n'ai pas ce pack de textures steampunk, ouais. J'ai le pur BD Craft. Donc du coup. Je vais vous attendre de l'autre côté, attendez, je vais vous dire s'il est dangereux ou pas. Ah. C'est pas grave. Alors, ok, il y a un énorme bâtiment devant. Ah oui, non, mais c'est moi qui testais si on pouvait faire un donjon dans Nether, mais en l'occurrence, ce n'est pas possible. Ouais. Vous avez donc ici un aperçu de ce à quoi ressembleront les donjons futurs. Avec juste beaucoup de... Oh, des cochons. Moi, j'ai pas achievement vu que j'ai jamais miné de diams, MDR. J'ai failli crever dans la première grotte. Je l'ai. Bon, moi, j'ai sauté toutes les étapes, comme on m'a donné tout mon stuff, j'ai pas d'achievement. La première chose que je fais, c'est miner du quartz. Bah oui, tout le monde fait ça. Ouais, sauf ceux qui n'ont pas de pioche en fer, lol. Ah oui, c'est vrai, lui Fanax. Ah là, par contre, j'ai oublié, désolé Fanax. J'ai oublié le coup de la pioche. Ouais, elle est quasiment usagée. Usagée. C'est complètement usagée. Si j'y ai pas pensé aussi, c'est que j'ai la pioche en diams, donc j'ai la pioche en diams. Ouais, donc il y a deux donjons vides. Pas très grave. Parce que t'as essayé à deux endroits pour être sûr, en fait, c'est ça. Ouais. Hop, je voir prends si un peu spécifique au 00, un truc comme ça. Vu que je n'ai pas vraiment étudié comment fonctionnait la commande, j'aurais pu, mais bon. Alors, remarque, ce pseudo donjon peut toujours nous servir de petite base du Nether. Hein. Ouais, c'est sympa. Si on le modifie un petit peu. Ouais, tu fais un peu d'architecture par-dessus. Voilà, c'est ça. Genre, le générateur de donjons DJ Minecraft, des gens en commentaire qui ont tellement raison. Pourquoi attendre la 1.9 pour des nouveaux donjons? Fuck it, on peut tout faire avec des commandes lock. Allons mettre à jour le jeu. Ah oui, oui, c'est vrai, ça. Un bloc de quartz isolé. Les mises à jour ont des champignons. Champignons. D'ailleurs, avec le pack que j'ai mis, ça donne le pack que j'ai, c'est la première fois que je vais dans le Nether avec. Il est quand même assez. Ça fait un Nether assez métallique, le pack. Hein. Ah oui, oui. J'ai... Moi, ça fait un Nether un peu. La texture animée, ça fait un peu bizarre. Ah, vous avez. Vous posez des blocs, j'espère, derrière. Hein. Non. Moi, je suis toujours au spawn, MDR. Ouais, je me repère par rapport au nom. Attends, note les coordonnées dans le chat, comme ça on s'y retrouvera. Dans le chaton. Ah. Merde. Oh putain. Oh, j'ai failli tomber dans la lave. Ça s'est joué vraiment à rien. Bonjour, le bébé Pigman, tu me conduis jusqu'à ta maman? Là, je le suis. J'en cherchais. Ah bah. Oula, putain. Mais il est où le portail du Nether? Je me suis paumé là, je sais pas où je suis trop. Je suis juste à côté des deux trucs. Ah, de la Soul Sand. J'ai de la Soul Sand. Pas mal. Moi j'essaye de choper de l'aluminite. La glowstone, ah bah bonne chance. Espèce de connard. Et fais gaffe, j'entends des ghasts de là où je suis, mais je crois que je suis un peu plus loin que vous. Voilà, moi je suis devant un petit donjon, je sais pas si c'est près du spawn ou pas. Mais... Moi je crois que je vais rentrer sur le faire une forteresse. C'est une forteresse ou c'est. Non, c'est des petits donjons en pierre là. Oula, je ne bouge pas. Une seconde, je pensais avoir un saut beaucoup moins haut que ça. Il me reste un demi-cœur. Aïe. Voilà, si c'est pas de la chance, ça. Non, c'est du. Non, si, c'est de la chance. Ouais, c'est une position pas tout à fait précise. Oui, mais c'est à peu près, donc ça va. Bonjour. Ah merde, j'ai plus de pioche combat. Ouais, en fait, je vais avoir plus de mal à survivre dans le Nether où il y a presque aucun mob agressif. J'ai été surpris par un magma slime parce que je m'y attendais pas. Non, j'arrive, j'ai l'impression de voir un crâne sur le sol et le truc il me saute dessus. Je me souviens quand le Nether a été ajouté,
Un crâne dans le nez. Ah, on voyait vraiment Nether comme une dimension ultra hostile, on ne pouvait juste pas survivre. C'est un... en fait, et au c'est final, vrai. Aujourd'hui, c'est la balade de santé. Oh, c'est ça. C'est peaceful. Nether, l'enfer, vous... je crois que vous avez des problèmes, monsieur. Ça dépend Nether, pour moi, c'est le paradis. Hein. Oh putain, 50 ouais. FPS d'un coup. Ouais, il pourrait changer des choses quand même là-dessus. Oh, c'est quoi cette merde? Comme par exemple rajouter bon, que l'enfer soit aussi mignon. Ouais. Comme par exemple rajouter du mob assez puissant en enfer. C'est quand je regarde en face de ce mur en fait que j'ai autant de FPS. Ah oh, ça m'a étonné. Oh je suis sidéré. Je crois qu'il y a vraiment rien du tout dans la direction où je regarde. C'est-à-dire que c'est même pas la peine d'y chercher une forteresse. Bah oui mais il y a mais c'est que les chunks sont pas tous load. Là par contre il y a les animations de la lave tout ça. Il y a des pigments, il y a plein de trucs, donc du coup je descends à 25 fps de merde. Bon, je sais pas pourquoi, mais ça me donne pas envie de passer au-dessus de la lave pour essayer de trouver une forteresse. Bah, je pense que n'importe qui aurait pensé comme toi. Non. Non, mais c'est surtout que j'ai aucune mort et que je veux essayer de le conserver jusqu'à la fin de la série. Et le gars, il va s'enfermer dans une maison en cobble et il va rester jusqu'à la fin de la série pour pas mourir. Il va finir par crever de faim, MDR, parce que discrètement pendant que je crois que j'ai mal dormi cette nuit, j'étais en train de confondre des minerais de quartz avec des vaches. Je me suis dit des vaches dans les heures. What the fuck? Bon, je vais commencer à ce what the fuck. Comme sur l'extrait de régénération que j'ai mis à part qui doit être dans la playlist à l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais what the fuck. Et ça coupe à ce moment-là. Comme quoi le montage musical a le sens de la vulgarité à éviter. Alors, tu l'as pas fait vraiment exprès, hein. Non, j'ai pas fait exprès du tout. C'est ça qui est drôle. Bon, là par contre, je commence à avoir pas mal d'expérience et je serais un petit peu enragé si jamais. J'ai 19 niveaux. Moi, je suis level 16, mais j'ai plus de pioche donc. Moi non plus. Faut te faire sur moi. Moi j'ai énormément de pierres, donc c'est un peu plus long à miner, mais bon. Moi je me fais une petite pioche. Ah bon, ça se mine le. Par contre, du coup, t'as avec ça a pioche en pierre, hein, sachez-le quand même. Ah bon? Oui. Ouais, moi j'ai deux. J'ai envie de dire. Bon, on a toujours dit que c'était pas. Et ça se mise vite la Netherrack, t'es d'accord avec moi sur ça, c'est lui. Ah oui, carrément. J'ai l'impression quand je vois la différence avec le poids, avec la grosse tache, j'ai l'impression que je mine au ralenti, hein. Avec une pioche en diable sans plus, hein. Avec une pioche en diable, c'est quasiment instantané, fous-toi de ma gueule. Oui, mais c'est pas aussi instantané que le bois avec la hache. Justement, pour moi, c'était, dans mes souvenirs, hein, miner de la Netherrack. Faut que ça soit avec... un peu enchanté, en fait. Miner de la Netherrack avec une pioche en diamant en survival normal, on aime bien tout c'est ça. Instant, quasiment, hein. Pour moi. Level 18, hein. Je suis level 19 et j'ai pas fermé, j'ai juste essayé de trouver une forteresse donc. Oui, bon, écoute, Tinjoff, va terre. t'as pris toutes les ressources, t'as miné plus que nous, tu nous as rien donné donc ta gueule. Je vous ai rien donné, je suis désolé, il y a plus de la moitié du fer qui s'est cassé hein, dans votre stuff. Hein. Ah, moi je suis content. Et... J'arrive en 2 minutes, je suis stuffé. J'ai pas envie de dire, mais. Ah, j'ai retrouvé le. Ok, je me baladais au pif et j'ai retrouvé à peu près le portail. J'ai retrouvé un des deux donjons que t'as créé. Mon dieu. Et j'ai retrouvé le portail en fait en me baladant au pif. Je crois que j'en ai pas. Ah bah écoute, 3, le hasard fait bien les choses, hein. C'est... Ouais, quoi que. Non. T'es tombé où? Je suis tombé à côté de la lave, j'ai eu du bol. Ouais, mais, oui, mais... ton stuff a dû flamber du coup. Oui, mais. Non, j'espère être tombé assez loin. Bah tu serais retrouvé au moins. Parce que. Oui, c'est juste à côté en fait. Tu vois, je me disais, je me suis miné du quartz avec ma nouvelle pioche en fer. Boum. Trollhead. Il ne faut jamais miner sous ses pieds, c'est la règle de base qu'on apprend quand on est. Non, j'ai pas miné sous mes pieds, j'ai regardé en bas sans me mettre en sneak. Ah, d'accord. Ah, c'est un peu plus débile ça, par voilà, là on le fait propre, hein. Attends, j'ai une pioche. Il me semble que c'est là. 20 et demi même. J'apprécie de progresser. Merci! Mais il est bad. Eh là, il a mis le nez sous mes pieds. Je flambe. Je savais pas que t'étais pas ad dans la. Mais les flammes m'ont laissé à 3 coeurs quoi.
faut que je fasse gaffe. SLB, add Fanax dans la team parce qu'il est plus. Il n'y a pas le Free Ah oui, il y a le Free and Fire du coup. Ouais, c'est. Et je l'ai poussé légèrement dans la lave. Légèrement. Et non, je crois que t'as perdu une bonne partie de ton stuff, Fanax. Hein. Tu crois? Ouais, j'ai retrouvé que le plastron pour l'instant. Hein. Ça passe. Que le plastron, que le légendaire le te donne dimension, sur Fanax, je commence très bien la saison, je trouve, pas vous? Ouais. Tiens. Hop. Je me souviens, les 4 épisodes de premier étaient avec les Dovahkiiniens, Falavo, démon 3 Xien. J'adore les zapper comme ça parce que ça énerve beaucoup Falaval. Hop, je te donne tout ce qu'il y a tout. Mais quoi, ça devrait pas, ça fait c'est genre il a un pays à son nom. C'est swag. Bon, j'ai la pioche. Tout va bien si j'ai la pioche. Et par contre, t'as plus du tout le ouais, stuff. Ouais, mais il trouve que ça ressemble à lavabo. Min. D'accord. Mais en fait, ça date de quand même MVO2 épisode 10. Ça fait presque un an qu'ils ont. Oui, Falavo. Ouais. Cet épisode. Je suis pas un lavabo. Ah non. Et d'ailleurs, coup, ouais, avant Fanax, que tu changes change de micro spirituel, ta voix et celle de Falavo étaient juste indissociables. Pas de chance. C'est de même. Quoi? Puis en fait, depuis le début de cette aventure, vous dites que vous faites massacrer par les squelettes, mais moi je meurs que en tombant. oui, c'est vrai en plus. J'entends un gaz et je suis sur un pilote de Pobble. D'ailleurs, Falavo, c'est le BG de. C'est qui passe le BG de la team. Et j'ai plus que 2 coeurs et demi. Hein. Donc, moi je fais full live, je fais une mine au petit MDR. Parce que j'ai beaucoup de. Moi il me manque quelques coeurs, mais. J'essaie de me. Merde. Je vais essayer de me foutre level 30. De la lave. Non, sans blague, de la lave dans le Nether. Oui, non, mais en gros, j'ai miné, il y a une rivière de lave qui est venue. Et je vais prendre des champignons pour me faire de la bouffe. Ça serait bien que la tronçonneuse marche aussi avec. Ouais, mais il faut aussi les champignons rouges. Oui, bah j'ai des champignons rouges là. Oh, le retour de FPS de l'infini. Oh, avec le F8. Ah non, ça fait baisser les FPS d'un coup en fait, le F8. C'est quoi le F8? La cinématique caméra qui fait des mouvements beaucoup plus lisses et un peu plus lents aussi. Ah oui. À ne pas utiliser quand on joue à Minecraft. Sauf bah, pour moi, faire des trailers. Moi, tout ce qui est... Oh putain de merde. Sauf pour faire des cinématiques, j'utilise quasiment 6. J'en avais jamais vu, les mecs, j'en avais jamais vu. Il y a un bébé zombie pigman sur un poulet. J'en avais jamais vu avant. C'est sympa. Ah, c'est rare. C'est relativement rare, ouais. J'en ai vu qu'une seule fois. Allez, je vais le laisser. Moi, j'en ai vu une ou deux fois maximum. Mais sérieusement, je suis chanceux ou pas? En baladant au pif pour essayer de tourner en rond, oui. Je retrouve le portail. Ouais, t'es un peu chanceux. Moi, là. En baladant au pif pour tourner en rond, je retrouve un coin que j'avais miné moi-même, je me souviens. Qui est quasiment à l'endroit du portail. Bon, faut que je m'éloigne. Là, par contre, j'ai plus que. Moi, j'ai sans doute bien paumé à essayer de me faire un maximum d'expérience, mais bon. Alors là, j'ai plus que 2 gigos, donc je fais hyper gaffe à ce que je fais. C'est un truc qui me saoule, c'est qu'on puisse pas conserver son XP dans des coffres. Ouais. Et que les orbes d'expérience puissent brûler quand on mine du quartz à côté de la lave aussi. Ouais, bah quand tu mines du quartz à côté de la lave aussi, c'est pas très très sécur. Merde, mais j'aime. Qui a pris tous les champignons? Champignons. Qui a tous les champignons marrons? Moi j'en ai quelques-uns. J'en avais, mais ils ont brûlé. Et où, Spirit, tu peux te retrouver au niveau du portail? J'en avais, mais ils ont brûlé. Ouais, j'étais en train de noter les coordonnées. Les coordonnées? J'en ramasse, un... j'en ai un peu. Non! 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 Champion du monde! Là t'as tout perdu par contre. Pourquoi est-ce que j'ai relâché Nick pendant une demi-seconde? souvent, si ça peut te rassurer. Oh merde! Bordel, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Yolo! Je vous attends au portail. Oh, j'ai failli l'avoir. Ouais. Alors, et du coup, je vais pas voir l'achievement, ça fait chier. Gros. T'as pas réussi le ghast. Dommage. Le ghast. Ah merde. Non, mais... Oh, il y en a deux. Oh putain, ça va finir par être dangereux cette affaire. Oula putain de. Bon, j'attends quelqu'un au portail pour les champignons pour avoir de la boue. Ouais, bah écoute, je vais devoir faire un putain de détour visiblement. Il y en a trois. Ok, je me casse. Et je suis parti hyper loin. Trois quoi, Blaze? Non. Non. Ghast? Ouais. C'est easy, t'as un arc. Non mais j'ai 8 flèches. 8 flèches, tu les two-shot? Oui, non mais ils sont à près de 100 blocs de moi. Ah oui, c'est vrai que tu sais pas tirer à l'arc à une telle distance. Comme... À une telle distance. Tu sais tirer à l'arc mais pas une telle distance. J'adore la soul sand avec ce pack. Ouais, bah arrête de parler ton pack de texture parce qu'il n'apparaît pas en vidéo. Bon. Ah. Et on peut pas voir. Bon bah voilà, 0 niveau d'XP, cool. Ouais, Fanax qui a pas de bol. Et tu vas rattraper le compteur de monde. Tu vas rattraper Falaval en compteur. Ah oui, bah je suis en route là.
Ouais, tu m'as rattrapé moi déjà. Alors que t'es sur la série depuis beaucoup moins longtemps que moi. Alors oui, mais attends, oui, moi, attends deux secondes. Je peux plus bouger pendant quelques secondes. Ah, parce tu que ma souris fait des conneries. Eh wesh, salope. Wesh. Je vais finir par crever de faim, j'ai plus qu'un gigot. Attends, mais fais gaffe à ce que tu fais, mec, moi j'ai encore 14 steaks sur moi. Moi ouais. j'ai de la bouffe. Moi j'en avais, mais ils ont brûlé. Oui, mais toi tais-toi, voilà quoi. Il y avait pas un message voulant dire de fermer sa gueule en même temps. Toi tais-toi. Non, non. Bon. Et si je te faisais vivre de la team et que je t'obligeais à te régénérer de force? Bon, ok, alors je crois que je vais devoir m'assurer de trouver d'autres piles pour ma souris. Ah! Putain! Putain, mais le con il peut vraiment me buter en plus. J'ai l'impression d'essayer de taper sur les. Les tops! Tape les tops! Version Minecraft est mortelle et potentiellement. Ah bah, il y a déjà un tape les tops version Minecraft chez Patrick MDR. Et potentiellement mortel. Ah, c'est drôle. Attention, c'est parti. Ah bah. Merde. Back. Protège-moi l'expérience. Ok, un zombie pigman est coincé dans l'arbre. Bon bah un zombie pigman a killé. Avec un gigot, je vais pas le faire en attendant Spirit Wolf en fait. Go. Voilà, t'es mort. Décédé. Il t'a donné les gold nuggets? Bah elles sont passées dans le nether en fait. Ah bon? Je les vois. Ah si c'est bon, ils sont juste passés de l'autre côté du portail. Bah c'est ce que je veux dire. Non mais de l'autre côté du portail parce ah, que oui, j'étais d'un ah, côté. Oui, je vois. Et il y a une pépite d'or. Bon, spiritual. Si tu veux des pépites d'or, tu peux en faire des centaines avec ton stuff de malade. T'as des champignons CLB? Et pourquoi tu demandes ça tout le temps? On s'en fout. Parce que j'ai des champignons rouges. Des champignons, gros. Mais la soupe, on s'en fout, ça sert à rien. Ça nourrit bien et j'ai besoin de bouffe. Bah écoute, je vais te filer du steak. Tiens, voilà. Mais non, garde-le, c'est bon. Là, j'ai bon, je peux en faire cuire. J'ai 5 côtelettes de porc. Mm. Mais du coup, j'ai crafté 8 bols pour rien, quoi. C'est bête. Il me faudrait juste un champignon et je vais faire une ferme à champignons. Hé, Selbé ! Hé, steak ! Le casse ! Je t'ai rendu, c'est bon. Sauf que j'en ai 13, des steaks, ça porte malheur. Je peux pas en manger un. J'aimerais bien. T'en manges un, tu vas mourir. Si t'en manges pas, tu vas mourir. Ouais. Tu fais quoi? Donc ça porte vraiment malheur alors. Faut que je t'en chip, hein. Non. Ça c'est le seul moyen. Enfin, après, je vais mourir quand même donc. Si tu t'approches, tu meurs. Le steak. Oh ma maison. Oh celle de Spirit Wolf qui prend beaucoup trop de place. Tiens, je vais rejoindre ma maison parce que c'est quand même là que je suis censé habiter à la base. Hop. Oh merde, le jour se lève. Fais chier. Pourquoi? Eh, on peut pas prolonger la nuit un petit peu? Pourquoi? T'aimes la nuit maintenant? Bah oui, j'en ai besoin là. Besoin? Vas-y, allez. T'autorise. Je t'autorise. Allez, let's sleep chez moi. Ah oui. Oui, c'est vrai que dans le chat fest, j'avais dit que je préférais manger, mais bon. Référence à Splatoon, hein. Bah oui, Splatfest. Ça s'entend. D'ailleurs, toi, tu préfères dormir. On sait jamais. Dormir. Tout le monde le connaît. Oui, je préférais dormir. Là, pour le coup, sur cette série, je préfère bouffer. Que de crever. Moi, je préfère dormir, MDR. Donc, okay. On s'était trompé. Ah, merde. Je suis chopé un bout. Hein. Non. Oui. Ah, merde, j'ai dormi dans ce lit-là aussi. Je suis troisième. Il est impossible pour moi de mourir ou quoi? Je suis protégé par quelque chose ou... J'ai l'impression que... Non mais je veux dire, il y avait un cochon perché sur un bloc, mais sur un seul petit bloc. J'ai l'impression que toutes les morts que je devrais avoir, c'est vous qui les avez. Mais du coup, là, je sais pas où je suis tombé, MDR. Bah, je vais faire le tour de l'arbre, je trouverai bien. Bah... Si tu... y a plein de stuff près de Joris.
On a une canne à sucre en plus. Allez. Joris, je sais où tu te caches. Viens ici que je te chipe le stuff, enculé. Fais pas le con, Joris. Ta gueule. Viens ici, ta gueule. Solo. Le stuff. Mais mon XP. Quoi, ton XP? Bah, j'avais 30 levels, j'en ai 2 maintenant. Ah bah écoute. J'ai dû en prendre un petit peu en passant. Ce qui fait que toute mon expédition dans le Nether, qui avait été super super cool et tout, et qui avait super bien marché. J'ai 20 levels. Sans mourir. Oh non, mais depuis le début de la série, j'ai que 20 levels. Hein. Slash, ban, tinge. Voilà. Hey, no. Voilà, il s'est passé quoi en mon absence? Alors, en gros, j'avais 20 levels, je suis tombé de l'arbre, j'ai 2 levels. Oui, bah avant j'avais un stuff en fer, je suis tombé dans la lave, j'en ai plus. Bon, je vais t'en préparer un nouveau, hein, mais bon. Ouais, c'est vrai, c'est dans le négatif. Faudra vraiment qu'on aille miner, ceci dit. Je pense que je vais le mettre dans un coffre. Mais là, par exemple, le trou de ta grotte, CLB que tu avais abandonné parce que tu avais failli crever dedans. Ouais. Je l'ai, et je sais encore où il est pas loin de l'arbre. Je sais même pas où passer. J'avais l'intention d'y aller en plus pour farmer mes ressources qui seront dans mon coffre. Non, mais moi, ce coffre, il est à tout le monde, hein. Ah ouais. Mais fous-le dans l'arbre à ce moment-là. Pas dans le sac. Est-ce qu'on a le droit de faire d'énormes échelles? Parce que sérieux, j'ai pas envie de mourir toutes les deux secondes si je fais une maison dans l'arbre. Bah, y a un escalier. À la limite, tu prends du verre. Ah, mais l'escalier, je suis déjà mort une fois. Bon. On avait prévu d'essayer de le sécuriser. Mais... Ouais. Hop. Parce que là, moi, je suis complètement paumé. Alors, je le dis, en fer, c'est la dèche. Ouais, bah, j'imagine. Bah, j'en ai 10 dans mon coffre, moi, si tu veux. Il n'y a plus qu'un lingot dans mon coffre. Ah oui, quand même. Voilà, ça fait 11. J'ai pas modifié la vidéo. Et il y en avait encore, genre, 25 quand je... la dernière fois. Oui, il y en avait 25. Une armure, ça coûte cher, hein. Oui, je sais pas. Ouais, mais la dernière fois que j'ai regardé, parce que... Oui, quand je me suis pris une pioche en fer, il en reste. J'aime prendre des risques. C'est triste. Oh là. Bon, je vais rejoindre CLB dans les grottes. Je vais rejoindre CLB dans les grottes. On va aller se balader dans les grottes avec tout le monde. Comme ça, on est... Les mecs. Et moi, je sais même pas, je suis complètement bloqué, moi, je sais pas du tout où je suis, en fait. Vous savez où je suis, moi? Non. Parce que moi, je suis encore dans le Nether, je suis sur l'un des points les plus hauts de l'arbre, je n'ai qu'un bloc de large, je fais le moindre mouvement, je tombe dans le vide. Eh, Fanax, se voit. Coucou, en bas. C'est moi, là, qui sautille, hein. Non, mais je vois Fanax, moi. C'est qu'un avatar pixel bleu, mais je vois Fanax. Ah oui. Fanax, il est où? Parce que j'ai le stuff... Il est sur l'arbre, il essaie désespérément de... Il s'accroche à la vie, il veut pas mourir. Bon, je vais réussir. Vais-je réussir l'exploit? Parce que personne ne l'a réussi au final. Regarde, de l'autre côté de l'arbre, regarde en l'air. Tu me vois là? Moi, non. L'arbre, moi, ne cherche pas. Hein. J'ai pas assez de render distance. J'en ai pas assez de render distance. Je te vois en même de pixels, moi. Alors, moi, j'ai juste dire une chose. Où est le bordel d'escalier? Ah, il est là. Ah, t'es là. Alors, vais-je réussir l'exploit? Sauf que là, j'ai du 10 FPS à cause de la hauteur du nombre de chunks loadés. Attendez, vais-je réussir l'exploit que personne n'a réussi? Monter à cette arme. Est-ce que CLB va-t-il réussir? Non, moi, j'ai toujours réussi à monter dans cette arme. Rester dans... Mais oui, mais t'es tombé une fois de l'arbre. Oui, en faisant ta maison, t'es tombé même plusieurs fois si tu t'es pas mis en clair. Je vais voir si je suis capable de ne pas tomber de l'arbre. Monter et de descendre sans tomber. Regarde, mais c'est ce qu'ils pensent. C'est Zodovakin, c'est comme ça qu'ils sont morts. Hein. Mmh. Néon, c'est Zodovakin, c'est comme ça qu'ils sont morts. Hein. C'est à cause de ça. Et on parie combien qu'il va réussir parce que c'est un connard qui a que de la peau. Elles sont où les maisons? Slash throw, si elle avait cette commande, ce serait bien. Elles sont où les maisons? Vent. J'arrête pas de me faire peur en me baladant dans les branches. C'est n'importe quoi. Tu m'emmènes à la maison Spirit Wolf? Que je vois. Je vais probablement crever dans l'histoire, mais toi non, vu que tu as une aura bénie. Vu que je te rappelle, bah en fait, il n'est pas de la même espèce que nous déjà à la base, il a 2 cœurs, donc si jamais il fait un arrêt cardiaque, il survit, contrairement à nous. Et puis en plus, s'il meurt définitivement dans de trop violentes conditions, et bah il peut changer de skin et c'est bon, il ressuscite. Ok, mais c'est n'importe quoi ces escaliers, c'est normal que vous vous cassiez la gueule. Non, c'est un jeu qui... Non, c'est... La maison spirituelle, c'est celle-là. Je ne remonte plus dans cet arbre, c'est fini. J'ai essayé de... d'élargir les... comment ça, mon lit a été détruit, obstrué? J'ai emmené le lit sur... J'ai vu en face la maison de Spirit Wolf, je l'ai vu en face. Hop.
Bon, moi, ce sera pas une maison dans un arbre. Ah bah, on t'en fera une dans ce cas-là, vu que tout le monde doit avoir la sienne. Bon, voilà. Je prends juste... Et l'arbre de MC4. Nien. Je dois aller manger, à tout à l'heure. Ouais, mais enfin, ou alors, mettez un océan. On va arrêter l'épisode ici parce qu'il commence à se faire un petit peu long. Cet épisode 5, j'espère qu'il vous aura plu. Ça se trouve, il est trop long, donc j'ai divisé en deux. Donc, j'espère quand même qu'il vous aura plu. Donc, sur ce, je vous remercie du visionnage. Et je vous dis au revoir, c'était CLB. À la prochaine, tout le monde.